Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité, chers amis. Donc, apparemment il y a du monde dans le coin, hein. C'est une violence, il y a des nazis, donc peut-être avoir des choses à améliorer, hein. Des choses à changer, je dirais même. Boum! Grenade? Il m'a quand même pété une grenade à la gueule, hein, je veux pas dire, mais... Je suis stupide! Je suis complètement stupide! Boum! Par contre, ça ignore... Alors, son épée ignore l'armure, hein, c'est violent, hein. Ok, bon, bah écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, on avait fait donc quelques quêtes. Maintenant, on a formation d'aller trouver Kyle dans son jardin pour réfléchir à un moyen de reprendre le bâton à Kyle. À Clyde, pardon, effectivement. Ce qui se passe donc normalement plus à droite. Voilà. Ok, il y a un petit bout de chemin à faire. Tout au long de... Alors, est-ce que je peux le faire avec le... Non, dommage. Parce que sinon, j'aurais bien fait d'autres petites choses à côté. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, yo, tu veux toujours pas me parler? Va te faire foutre alors. Pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Hop, aptitude, et hop, là, le point, là. Lancer 2 ultime. Y'a pas un Nadis dans le coin? Arknein, there is no... comment ils disent? There is, c'est de l'anglais. Terriste no Nazis. Je sais pas, je sais pas. D'assiste nicht einen Nazis. Peut-être ça, non, je sais pas. L'allemand et moi, ça fait 32, hein, donc... Voire même 42. Coupe à keep, non, ce n'est pas la peine. Un peu plus loin. Alors, toi... Toi, je t'avais complètement zappé. Mais attends, je me souviens. C'est Legolas. C'est en vrai Legolas, en fait. Ok. C'est quelle maison? Ça doit être celle-là. Kyle Broflovski, hein, ça fait un petit peu juif. Racisme, enfin en tout cas antisémitisme plutôt. Ok. Peut-être grandir un petit coup quand même, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Oh, il y a du chose dans le frigo. Oh, des potions de guérison et de puissance, pourquoi pas. Je suis full, dommage. Hop. Merde, faut que j'ouvre la porte. Ok. Ok. Je suis au milieu. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over 4 stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is... You have something to say, wizard? Nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. C'est pas fou. Serious. Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so... Our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that. We do. La réponse est rapide. You got a better idea, wizard fat ass? After what you elves did us at the Battle of Wormsley Woods, you think we'll ever trust you? Yeah, you tell a butter that was Jimmy's fault and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the humans' rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you? Bon elf, un elf mort. My elfin dick butters. Enough! N'habitez le fils. Elfins are gonna matter one bit if all of Zaun is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a way to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and the girls. Girls? Kyle, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. Really good at getting Facebook friends, I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war. Huzzah! Huzzah! J'étais un petit peu en retard, mais... Huzzah! Oh, je peux jouer avec Kyle? Seriously? Apparemment non, je peux jouer avec personne, carrément. Ok. Cartman, oui. Ok, bon bah il est temps d'y aller alors. 70 amis, cadeaux disponibles. Bah écoute, j'ai tellement d'amis sur Facebook que c'est la folie. Aptitude, ma talent, pardon, voilà.
Hop. Objet de soin. Votre principe. Le recours à des objets de soin décuple présentement les dégâts d'attaque. D'accord. En flamme, ça me tente. Non. 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 Paix de guerre. Ça, je sais pas à quoi ça correspond une attaque magique avec vos avec vos armes au corps à corps ou à distance. Je sais pas à quoi ça correspond. On va quand même passer sur les dégâts sur les la santé supplémentaire, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. On y va. C'est parti. Et là on peut récupérer un ami, je pense. Et dans le groupe, nous allons prendre notre roi, Cartman. Voilà. You fucking suck. Qui c'est qui m'a rename douchebag? That's Kyle's mom. She's a fairly large bitch. Qui c'est qui m'a rappelé douchebag? Hein? Those ones hurt, huh? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce qu'on va aller recruter les filles. Voilà, simplement. Salut les filles! Non, c'est pas eux. Yo! On devrait se voir, ah bon? I gave Butters a sweet swirly one time in that bathroom. Ah merde, c'est parce que je sais déjà où c'est. D'accord, et donc la carte me dit que c'est où? C'est où? Au niveau du City Hall. D'accord, City Hall. Faut pas que je dise Hall, c'est Hall. Hall. Oh! Oh, y'a des morts! Oh, ça part en sucette! Hop, ça part en sucette et des morts partout. Alors, Cartman. Regarde-moi ça. Regarde-moi se lancer. Boum. Ok, missile magique sur lui. Immunisé. Ça fait quoi? Ils peuvent pas être écœurés, j'imagine. Aptitude. Frappe enflammée. Pulvérise du feu sur les deux premiers adversaires d'une rangée. La cible part en flamme en cas d'exécution parfaite. Cartman explose, enflamme ses gaz pour les faire exploser et ensuite malédiction. Cartman active sa puce électronique et invoque une tempête électrique contre une cible individuelle. D'accord, ok. Faites un clic gauche lorsque vous voyez le clignotement. Bah écoute, c'est parti. Oh la vache. Le malade. Le malade. Nous allons faire un lancer raté. Voilà. Histoire de voir là, l'autre sort de. Alors, on va mettre la puce. Oh, faut en mettre les. J'imagine que vous voulez voir l'épée enflammée. Boum. Voilà. Vous avez pu voir le cul et l'épée enflammée de Cartman. Ok. Ça, vous pourrez plus me les réclamer. Vous les aurez vus au moins une fois. Hop. City Hall, City Hall c'est par là. Non, c'est derrière, je ne sais plus, c'est par là. Hop, c'est parti, on y va. Je sais que quelque part, par là, dans un des bâtiments, il y a un tout petit truc sur lequel il faut qu'on rentre en mode gnome. Mais alors, dans lequel? C'est pas ici. Dans lequel? Je ne me rappelle plus. Celui-là, peut-être? Unplanned Parenthood? Je ne sais plus. Je ne sais plus, nous devons entrer dans un trou. Petite musique. peut-être à la banque. Ça m'étonne que ce soit à la banque, mais pourquoi pas. On va le voir, on va aller tester. On va regarder partout, puis on trouvera bien. Je sais qu'il y a un endroit qu'on a pas réussi à avoir le Shin Pokémon. Dans lequel on n'a pas réussi à avoir le Shin Pokémon. Shin Pokémon. Pourquoi tu me... Oh la vache, la gueule qui tire, c'est d'une violence. Ok. Yo. Elle. Dis-moi si je me trompe. C'est ici, voilà, hop. Non?
Bon. J'aurais juré que c'était là pourtant. David Hasselhoff partout. Ici peut-être? Peut-être, sait-on jamais hein. Je vérifie partout parce que je suis persuadé qu'on a un endroit où on a un truc qu'on n'a pas pris. Bah merde. Voilà, j'exprime mon mécontentement. Non, je crois qu'il y a, une zone. Bon, ça devrait pouvoir le faire, alors du coup par ici peut-être. Alors. Bon, ce sera pas là, je pense. Bonjour. Ok, teinture violette, espèce, perruque afro et brochette en fer. D'accord. Ouf, ça fait mal pourtant. Ok, j'ai déjà tout fait par là, bah écoute, tant mieux. Hein. Ok, bon bah écoute, on se casse. Vu qu'on a eu cette fille en amie, bah on va se casser, hein, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde va être mon ami. Hop. On est d'accord, c'est bien quand on entend les paroles là. C'est bien Cartman qui parle, je rêve pas. Hey, Big Nose. You should con- voilà. Oh. Barbe impériale, pioche de gnome et patch d'escrime. Y'a pas un truc pour passer là-haut? Non, y'a rien. Dommage. J'aurais adoré. Ok, la suite alors. Du coup là on va arriver sur place, c'est bon normalement là. Ouais. Ouais. Oh ouais. Les nazis partout quand même. The boys want us to play with them? Whip. I do owe you one. I can take you to the girls, but I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? Ouais. Tu m'as fait bander les yeux. Pardon, excusez-moi, il y avait un sous-entendu bizarre, j'imagine. High School Musical, là, le mec, c'est Orlando Bloom. Millie Larson has the floor. If it pleases and sparkles, I move that we vote immediately on the urgent matter involving Monica Ryland. Yeah, yeah. Excuse me, I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed. Ouais, je t'en prie. The chair acknowledges Annie. Sunshine, sparkle, Annie Nitz has the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. Yeah. Ew. Ew. Elle m'avait pas vu avant. What request do the boys ask of us? He doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that. Something very big happened, and we must do something. I know. I thought maybe he could help. Mais t'inquiète, je sais pas si c'est parce que je suis un garçon, mais ça me semble tellement. Sunshine Sparkle, a motion has been triggered to have the new kid help with Monica Ryland. All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture, then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood, and you want to meet her and ask her what oh, putain, the best thing to get Bebe for her birthday would be, and see if Monica tries to hit on you at all, because that way, we can see if Monica is a manipulative bitch. Right. Do this task for us, and the girls will consider your request. Sparkle, sunshine. Ah putain, c'est débile. Ok, pourquoi pas. J'enquête pour les filles. Juste le nom de l'épisode précédent. All you have to do is pretend to be Bebe's long distance boyfriend. When the job is done, come see me. Be on guard, douchebag. For the plots of girls have ends that no man can foresee. Mm-hmm. Le nom de l'épisode, j'arrive pas à trouver le nom de l'épisode. Je sais. Hop, voilà. Encore un jeu de mots bizarre. Pourquoi pas. Crac, crac, Cartman, on y va. On va quand même regrandir, Cartman. Nous sommes de grandes personnes. Alors normalement, nous devons aller, j'imagine, au lac. Il parlait du lac. Il parlait du lac, ça m'inquiète. Faut qu'on retourne ici, d'accord, ok, pourquoi pas. Du coup, il y a peut-être un drink-drink pas loin, non? Oui, un drink-drink. Hein,
a pas par là. Je sais qu'il y en a pas par là. Y a pas un Timmy pas loin. Now that you have found Jesus, he will always be with you. I saw Butters get the worst titty twister here once. Pince téton, oh merde. Me parle pas de pince téton. Oh, des nazis. Avec un chat nazi. Ah, le chat nazi. Le chat nazi. Boum. Regardez-moi ça, pauvre chat. Boum. Vous avez vu la santé que ça me remonte à côté. Ils vont pas réussir à être accurés. On va foudroyer le chat. ZQSD pour activer la puce électronique de... D'accord. Oh putain. Oh la vache. Raté. Raté. Même si ça suffit quand même, mais... Hop, on va aller frapper un gros coup. Boum. Et ils ont survécu les sacs. Cartman, j'ai besoin de toi. Il faut que tu... Enfin voilà quoi, que tu les allumes. Littéralement. BOOM! Ah, il est épique, Cartman. Il est con. Qu'est-ce que je trouve sur le chat? Des espèces et de la slime. Ok, c'est pas grave. Bon. Je peux pas l'emmener chez le veto, c'est dommage. Hop, ici il y en a un, c'est parfait. Ok. Le plus rapide, ce serait où? Ce serait ici. Timmy! Bon, c'est bien. On avance. La nuit a été mouvementée, mais on avance. Ok, on y est. C'est laquelle? Peut-être elle? Non. Any means necessary, douchebag. Kill if you have to. Oh, hi. Je peux la tuer si je veux. So, you want to talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe's my friend. I think she's really great. I don't know if she's the end-all be-all of girls. I mean, she's a little two-faced if you ask me. But hey, I've read a lot of your Facebook profile and I think you're a really interesting boy. Aha! We knew it! Two-faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah, now we know you're a two-faced bitch. What do you mean? You guys are my best friends. Oh putain, ça va être violent. Brought someone else who might be interested. Monica, what the fuck are you doing? Uh-oh. Hey, Jake. Have fun, you two-faced skank. Guys, wait, please, come back. Ça va me tomber dessus. What's the big idea trying to fuck my girlfriend? Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand this. Ok, il veut se la mettre. Il veut se la mettre. Tu ne passeras pas. Famlette. Oh non, mais il est tellement horrible ce Cartman. Il a tellement peu de PV lui par contre. Boum. J'aimerais changer, j'aimerais mettre Kyle. Hop. I hate you. I'm running away. Il se barre. Moi je vous emmerde et je rentre à ma maison. Merde, maison. C'est ça qu'il aurait dû dire normalement en vrai. Ah, c'est dommage. Hop, on laisse passer le tour. Voilà. Club de golf et lui il a le pouvoir du ralliement. Ralliement, pardon. Come on, we've got this. Voilà, ok. Et ensuite, invocation d'élémentaire qui invoque un esprit d'éther gelé d'une heure pour attaquer l'ennemi. Donc c'est oui, c'était un Canadien donc. Invoque des vents violents qui projettent des débris dans les yeux de vos adversaires et plus de flèches sur les yeux avec une flèche de la puissante armée elfique. Bon bah un shoot dans le bébé, je suis désolé, hein, je peux pas résister. Bouton gauche à se renforcer jusqu'à voir le clignotement. D'accord. C'est pas ce que je pensais, mais pourquoi pas. Elle me demande un ami. Allez comprendre. Hop, ok. Retournez voir notre ami là-bas. Là-bas. La 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 la. Bref, je vais arrêter cette chanson-là. Ok. Donc, je vais vous passer en ce qui s'est passé avec Monica. Mais il y avait déjà les filles sur place, c'est débile. On va gagner du temps quand même, on va regarder comment on peut gagner, combien de temps on peut gagner. Hop. Entre deux chargements. Littéralement. Hop. Ok, et on y retourne. Oh, c'est assez rapide finalement, donc ça devrait le faire. Hein. On devrait gagner du temps.
Inconnu, oui, on gagne du temps forcément, je crois qu'il y a deux chargements entre temps et on en a fait qu'un nous. Donc on a forcément gagné du temps. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. On y va. Alright then, let's go. You know the drill. Ah non, je suis aveugle. Je suis aveugle. Merci. New kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are okay. Obsessed. You see, the thing Papa. Is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Oh là 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 là, les filles. Vous voyez pourquoi faut pas faire. On a de la chance en fait. Non. Bon. Autant nous rendre mignonnes. Alors là-dessus, hein. Oh la vache. Bon, je sais ce que vous voulez, vous, en tout cas. Ah, j'hésite. Vous prendriez ça ou ça? Partir là-dessus. Juste pour voir, ça donnerait quoi, ça? Non, voilà. Ça, c'est mieux, effectivement. Hop. Voilà. Hop là. Ça c'est pas ce qu'il y a de mieux apparemment. Ah non. Voilà. Bon bah, je pense qu'on est bon hein. C'est parti. Ils m'ont donné quoi pour compléter? Oh non. Oh non. Oh mon dieu. Get inside the abortion clinic and find the records room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in Pourquoi there, people might be sluts like Jessica Rodriguez. Hey, guys. Hey, Jesse. Hi, Jesse. What are you up to? Oh, nothing. Just finding out which of our friends is a two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Awesome. Skank. All right, now go in there and get to the records room. Find out if Jesse had an abortion. Is this girl going to be a friend or thing for you? Je ne t'écoute pas, Kyle. Je ne t'écoute pas. Tu n'es pas mon roi. Oh, je suis tellement belle. Hi, here for an abortion? It's okay. Don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. I'm sorry. Your little friend will have to wait out here. Yes, I'm staying out here. I'll be with you in spirit. Ok, on y va. C'est parti. Alors, hop, ok. Ok, ok. Des caméras, j'aime pas ça, les caméras. La portée est réduite ou pas, d'après vous? Ah oui. Ah, je peux pas la casser. Bon. Bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. On va se laisser là avant l'avortement, quand même, hein. Je pense que c'est une bonne chose. Histoire de nous préparer à ça mentalement et psychologiquement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens et yoop !